C'est un peu l'histoire des hommes qui ont agi pour essayer de maintenir la Châtaigneraie ardéchoise. Donc les grandes étapes sont ben, en 2000, on va dire, l'obtention du reconnaissance de principe de l'appellation sur le produit frais. En 2002, sur les autres formes de conservation. Et puis, donc, on va dire en 2006, en juin 2006, la signature des décrets. C'est l'avenue sur le marché des marrons hybrides, c'est-à-dire mi-européens, mi-asiatiques, qui en est la raison principale. L'AOC pour moi, c'est montrer au public qu'il existe un produit spécifique lié à un territoire. C'est l'aboutissement, enfin, au bout de 8 ans. Et je pense que c'est un nouvel élan, un tournant pour la Châtaigneraie ardéchoise. Malheureusement, je pense que c'est une bonne chose, d'avoir une reconnaissance, une reconnaissance de tout ce patrimoine qui existe en Ardèche, de tout ce qu'ont planté nos ancêtres, l'entretien qu'il y a eu et l'importance économique qu'a aujourd'hui la châtaigne avec plusieurs milliers de tonnes récoltées et un poids dans l'agriculture non négligeable. Ah bah, les variétés de châtaigne AOC, c'est de toute façon, il y en a 60 variétés en Ardèche. Personnellement, je ne les connais pas toutes. De toute façon, les châtaignes AOC, ce sont des variétés sativas, c'est-à-dire des variétés indigènes, qui sont là depuis des siècles. Et on espère cette année avoir déjà un groupe de travail donc de producteurs, d'industriels, de professionnels, pour justement lancer le produit et l'expliquer surtout aux personnes qui sont ravies et qui attendent que ça. Donc ça sera vraiment des châtaignes de qualité, qualité, qualité. Ça veut dire traçabilité, ça veut dire sélection des variétés, ça veut dire contrôle, ça veut dire financement des contrôles, ça veut dire des ramassages spécifiques jusqu'en 2011, donc ça veut dire une sélection des variétés encore plus grande, donc élimination des arbres hybrides. On va éclaircir au niveau de l'ensemble de la châtaigneraie les productions qui pourront être en AOC dès cette année, pour que le cahier de charge soit bien adapté à la production. Et puis on verra par la suite, mais disons que déjà, d'ores et déjà, la première année, c'est 80% de la production qui sera en AOC. Le nettoyage, déjà on le fait, le greffage on le fait, l'élagage se fait aussi, enfin tout ce qui est dans le cahier des charges, on le faisait en grande partie déjà. Il faudra vraiment, vraiment faire attention à la châtaigne, qu'elle soit de très, très bonne qualité. On a un cahier des charges assez strict, il faudra le respecter. Ce n'est pas un souci pour arriver à faire de la châtaigne AOC. Le but était que toute la zone Castagnicole Ardéchoise y soit et que tous les producteurs puissent faire de l'AOC s'ils veulent. Avec un certain nombre de producteurs là, du canton de la Mastre, depuis 6-7 ans, en étant justement investi dans cette démarche AOC, et en pratiquant aussi de la vente directe, on s'est tout de suite intéressé aux problèmes notamment de la qualité, aux problèmes de la récolte. Ça ne va pas changer grand-chose parce que déjà, nous, on s'était mis depuis plusieurs années dans cette dynamique de conservation de la châtaigne par trempage longue durée pour ce qui est des fraîches. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà et qui, j'espère, qui va se démocratiser beaucoup plus grâce à l'AOC. Alors l'AOC aujourd'hui va probablement changer des choses pour les producteurs de châtaignes d'Ardèche. En l'occurrence, le cahier des charges qui a été élaboré va dans le sens de ce que l'on recherche, à savoir une certaine qualité sanitaire de fruits. Et bon, je dirais que ce qui est bon pour les producteurs est bon pour nous, dans la mesure où nous vivons des gens qui ramassent les châtaignes. Ensuite, au niveau de la transformation proprement dite, je dirais qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça va changer pour nous. Disons qu'on reste à l'écoute. Aujourd'hui, ce sera aussi une rigueur un peu plus importante dans le travail, puisque nous allons être dans l'obligation de sélectionner les lots, de sélectionner aussi les lots aptes à faire de la châtaigne AOC sur des aspects de qualité. Ben, l'AOC va nous demander beaucoup plus de rigueur, beaucoup de séparation des lots, un suivi beaucoup plus approfondi de la marchandise, un triage encore plus sévère. Il y a un emballage qui va être commun à tous les produits d'appellation, donc déjà ça nous permettra de nous identifier. Ça nous permettra aussi de peut-être tenir un prix un petit peu plus conséquent. Et puis c'est surtout que ça va amener une dynamique auprès de la filière, puisque tout le monde va se rencontrer et discuter du même produit et de la même chose, quoi.
Ben vous savez, le débat est ouvert là. C'est la Sardone. La Guyane. La Comale. La Petite Pourrette. La Bouche Rouge. Ah ben, chacun dans son coin proposera une châtaigne plus adaptée à sa région. Ici, ben, c'est la Comale. C'est une châtaigne qui est un peu... au niveau dégustatif, elle est excellente, c'est vrai. Elle est cloisonnée, voilà, c'est ce qui l'handicape un peu. On a des variétés comme Merle qui ne sont pas cloisonnées et qui sont bien. Donc elles ont des avantages au niveau épluchage, au niveau conservation que la Combale n'a pas. Pour moi, je suis un grand défenseur de la Petite Pourrette, reconnue par beaucoup d'Ardéchois. Cette Petite Pourrette, elle a un petit calibre, mais un goût incomparable. Une des seules variétés de France à ne pas être farineuse. Pour nous, on en a fait du marron grillé apéritif. Mais pour moi, ça serait la Comale, oui, elle est douce, elle est gustative, elle est bonne à manger. Quoi. Commercialement, la plus facile à conserver et à vendre pour moi, c'est la Bouche Rouge. Donc je vous dis Bouche Rouge, Sardone, Aiguillane et Pourrette. Mais les contrôles vont être effectués donc cette année encore par le syndicat de défense de l'appellation hein, et à terme donc 2007 par l'INAO qui va reprendre la gérance de tout ça, ce qui est bien en soi puisqu'on peut difficilement être jugé parti. Donc l'INAO va gérer de nouveau ces contrôles et donc les contrôles vont être faits à plusieurs niveaux, à la production bien entendu. Au niveau des parcelles, au niveau de l'entretien. Donc vérifier qu'effectivement les châtaigniers correspondent bien aux variétés qui sont indiquées. Les autres contrôles vont se faire au niveau, donc, on va dire, des metteurs en marché, puisque là il y aura un prélèvement qui sera fait chez eux au moment de l'expédition, et c'est à partir de là que tous les contrôles vont découler. Pour reconnaître les variétés, retrouver les variétés qui correspondent bien à ce qui est écrit sur l'emballage, au calibrage, à la qualité sanitaire, puisqu'on a une tolérance, on va dire, de 10% maximum de fruits non conformes qui doivent se trouver dans l'emballage. Ben, le consommateur, c'est de le satisfaire, c'est d'avoir une châtaigne où il ne sera pas déçu. Il faut que quand il achète un kilo de châtaigne, il n'en jette pas la moitié, ce qui malheureusement se produisait certaines fois. Ça permettra quand même, je pense, un meilleur tri. Donc je pense qu'il y aura une sélection qui va s'opérer d'elle-même d'ici les années à venir. Et donc, par là même, une meilleure rémunération de la châtaigne AOC. J'espère que l'AOC va m'apporter surtout une augmentation des ventes. Ça va être un signe de qualité. Et, derrière l'AOC Châtaigne d'Ardèche, le consommateur va retrouver un produit de qualité constant et fiable. Je pense que c'est une bonne chose parce que tout ce qui va dans le sens de la qualité, pour nous, est quelque chose d'important. C'est un espoir de meilleure rentabilité pour les agriculteurs, d'être reconnus dans leur effort pour la qualité. On a des variétés ici qui gustativement sont excellentes, extraordinaires. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses et de recettes et de produits à créer autour de cette châtaigne. La châtaigne est un fruit très, très fragile. Donc, faire reconnaître les qualités de ce produit et en assurer la valorisation dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Je crois que c'est une juste récompense aujourd'hui et je souhaite, encore une fois, que ça contribue au développement de la filière des années à venir. On a appris à communiquer entre producteurs, expéditeurs, coopératives. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien de se fédérer comme ça, de pouvoir discuter. Chacun a ses soucis. C'est pas tout rose chez les producteurs, c'est pas tout rose chez les metteurs en marché. Et des échanges, c'est bien quoi, de pouvoir se fédérer. Je suis content qu'il y ait l'AOC. J'espère que ça va apporter des choses. Mes greffes de châtaigne AOC sont pas encore suffisamment développées. Mais j'espère que dans 40 ou 50 ans, j'aurai un tonnage conséquent de châtaigne AOC à porter, à vendre, à mettre sur le marché.
Moi, je pense que l'AOC est une chance pour les producteurs ardéchois, hein, puisque aujourd'hui, on voit de plus en plus le marasme qui se passe sur toutes les espèces fruitières. Et l'AOC, j'espère, va nous permettre de continuer à commercialiser dans un contexte qui se fait de plus en plus difficile et où les gens ne regardent que le calibre et l'aspect du fruit. Là, on va pouvoir communiquer sur les vraies valeurs de notre châtaigne, malgré qu'elle soit plus petite, et continuer à la vendre.